NVIDIA. Salut tout le monde, c'est Jack Tersonis et donc on se retrouve cette fois-ci pour Borderlands. Voilà, j'ai choisi de commencer Borderlands. Alors oui, je sais que c'est assez con comme choix, même moi je me déteste de faire ça limite. De commencer un nouveau Hulk alors que bon, j'en ai déjà plus deux de bien commencer et puis même un troisième en route, on va dire, étant donné que bon, Minecraft, comme je vous l'ai dit, je sais pas trop ce que je vais faire pour la suite. Je pense que déjà je vais le mettre en pause jusqu'à ce que je finisse les deux autres worlds, donc Prototype et Need for Speed Underground, parce que bon, j'aimerais bien quand même pouvoir les finir, parce que Minecraft, mine de rien, quand même, ça prend pas mal de temps au final et j'ai l'impression de vraiment pas avancer sur les autres, et surtout que là, bon, bah voilà quoi. Comme j'ai dit sur ma vidéo annonce, je suis désolé de pas avoir comment dire, pas avoir pu continuer les autres walks parce que bon, comme je vous le dis, quand on fait 9h, 19h, qu'on rentre, on bouffe, on est déjà mort et puis on voit pas la soirée passer, ça donne pas forcément envie de continuer à faire des vidéos quoi, c'est que ça prend pas mal de temps. Et bon, là comme bon, j'ai un peu de temps. Fais toujours marrer ce truc, le prof qui tombe de nulle part. Donc là, pour me remettre en selle, j'ai choisi de faire Borderlands. Voilà, je pense que je vais essayer de faire Borderlands, rien que du Borderlands pour le moment. Essayer de le finir à. Ok. Finir assez vite. Même si ça va être dur quand même. Hein. Bon, je présume qu'au bout d'un moment, je risque de le mettre en pause et puis de recontinuer les autres. Mais donc j'ai choisi de pour me remettre le pied à l'étrier de ces 1 mois sans rien faire. Borderlands, étant donné que c'est un jeu que je connais maintenant quasiment par cœur, étant donné que j'ai quand même fini 3 fois. Et surtout que j'adore, je le kiffe, je l'adore grave sa maman, on va dire. Bon, j'espère quand même que ça se passera bien, parce que mon ordi est un. Bah d'ailleurs, ça se trouve, vous l'entendez même là, même en supprimant le bruit de fond, parce qu'il souffre quand même vachement quand je joue à ce jeu. Et qu'il avait tendance des fois à me ramer alors que j'avais tout mis en faible, et alors que si j'ai remonté les stats, et ben l'ordi marchait bien. Et ça ramait pas quoi, donc je sais pas, c'est bizarre. Mais le jeu en soi est assez mal optimisé apparemment, donc bon. Allez, on va commencer. Désolé d'avoir pris autant de temps pour vous expliquer tout ça, mais bon, je pense que c'était quand même un peu nécessaire. Alors, donc nouveau personnage. Et donc, je vais vous laisser avec la cinématique d'intro qui est Non, juste énorme. vous aimez les histoires, hein? Surtout avec des chasseurs de trésors. J'en ai une incroyable. Pandore. C'est chez nous. Une planète pas très conviviale. Pas un endroit pour l'amour et la paix. On dit que c'est un désert, que c'est dangereux, qu'il faudrait être fou pour venir chercher fortune ici. Alors ça fait de moi un fou. Mais ne vous laissez pas aveugler par l'apparence de Pandore. Il y a la légende. Tout le monde la connaît. La légende de l'Arche. Mon père a toujours parlé de l'Arche, jusqu'à son dernier souffle. La légende de l'Arche est un conte envoûtant. Technologie extraterrestre futuriste, richesse, célébrité, puissance et femme. Facile de comprendre pourquoi les gosses qu'on gave de ces histoires deviennent des chasseurs de l'Arche. Eh bien, voilà mon histoire incroyable. Mais je vous garantis qu'elle est vraie. L'Arche existe et elle est ici, sur Pandore. Et un... disons, ange gardien est apparu pour guider les chasseurs de l'Arche jusqu'à leur Graal. L'histoire commence ici sur Pandore, avec d'audacieux chasseurs de l'Arche. L'ange gardien est le plus important, moi.
On se réveille derrière. Il fait un temps magnifique. Le monde vous appartient. Rassemblez vos affaires. Qui descend du bus? Toi là-bas, avec le fusil de précision et le masque bizarre. On dirait un catcheur truxicain qui fait des hors sup en dominatrice SM. Et toi, soldat? C'est pas une armure de la lance écarlate que tu portes? Et vous, mamselle, qu'est-ce que vous savez faire? Commencez donc par nous faire la cuisine. Et toi, le balèze à l'arrière, je vais pas me foutre de toi. Tu serais bien capable de me mettre en charpie. Bref, j'ai un bon conseil pour vous tous. C'est pas la belle vie dehors. Alors vous avisez pas de castagner la première bestiole venue avant d'être prêt à l'affronter. Bien sûr, vous espérez tuer des bandits et trouver des trésors. Mais seul l'équipement qui sort de mes magasins est garanti. Heureusement, si vous mourrez, vous pouvez pas vous faire rembourser puisque vous êtes mort. Non, je rigole. Pas la peine de faire des gueules d'enterrement. Et si vous êtes ici pour chercher l'arche, ça va pas être une promenade de santé. Alors, n'ayez pas peur de dépenser pour vous procurer l'équipement indispensable. Moi, c'est Marcus. Je descends de 7 générations de marchands et je suis le meilleur. Vous savez pourquoi ? Parce que j'arrive à gagner de l'argent même ici dans ce trou paumé. Ah, donc ça c'était l'intro de début. Hein. J'ai envie de dire que c'est l'une des meilleures intros de jeux vidéo que j'ai vues jusque là. Hein. Il y en a pas des masses qui m'ont marqué, mais celle-là est vraiment énorme, je trouve. Avec surtout cette magnifique musique en fond, c'est... Dans ce jeu, il y a deux, allez. Trois musiques avec les DLC et j'y trouve toutes superbement réalisées quoi. Je parle de vraie musique hein, avec un minimum de... comment... genre de musique qu'on pourrait entendre à la radio par exemple. Parce que bon, des musiques, les musiques de thème quand on se bat et compagnie sont elles aussi très bien faites mais c'est pas le même niveau quoi on va dire, c'est pas... pas tout à fait le même genre quoi. Bref. Alors... je vais vous faire un rapide descriptif des personnages, même si la série 1 je la connais pas très bien. Alors le soldat, donc militaire formé pour devenir un tueur confirmé, donc arme favorite, combat rifle, donc fusil d'assaut, hein, je vais dire fusil d'assaut parce que combat rifle, en plus il est tard, je vais finir par dire de la merde, je vais mal quoi fourcher, ça devient n'importe quoi. Donc et le shotgun. Compétence d'action, tourelle scorpion, c'est en fait il lance une tourelle avec un bouclier d'énergie. Qui donc tire et vous permet de vous protéger un peu, de vous mettre un peu à l'abri. Ensuite, on a le chasseur. Alors, maître du combat à longue distance, un favori, sniper et revolver. Donc, revolver, c'est tout ce qui est pistolet et on va dire colt, tout ce qui est genre arme de western avec barillier quoi. Compétence d'action sanguine qui en fait est son familier en gros, c'est une espèce d'oiseau qui lance sur les ennemis et qui les bouffe quoi. Qui leur fait des dégâts. Alors ensuite on a Brick le furieux. Alors ignore la douleur et frappe fort. Donc arme favorite, arme explosive et ses points.
compétence d'action Fury. Alors c'est le père. Ce personnage est quand même assez spécial parce que moi personnellement, quand j'ai fait une partie avec, ses armes favoris, je les ai pas utilisées du tout, on va dire. Bon, à part ses points quand même un petit peu, mais bon, disons que les armes explosives dans le jeu sont pas inutiles, mais disons que pour réussir à les maîtriser convenablement, faut quand même y aller, quoi, parce que les lance-roquettes, des fois, ils font des trucs un peu chelous. Après, il y a aussi, dans les armes explosives, ils classent aussi tout ce qui est munitions explosives, donc, bon, ça peut permettre éventuellement de réussir à rattraper un peu le coup. Et les armes explosives en soi, je les trouve pas non plus super, quoi. Bon, la compétence d'action Fury, c'est en fait, en gros, c'est un mode berserk, quoi. On saute dans le tas, on tape sur tout ce qui bouge, ça fait du gros dégât, on prend pas trop de dégâts. Donc bon, voilà, quoi, c'est une sorte de mode berserk. Ensuite, on a la sirène, donc use et ruse de tromperie. Use de ruse et de tromperie, ouais, plutôt, parce que, ouais, j'ai dit ça un peu bizarrement. Donc, arme favorite, c'est les armes incendiaires, les armes électriques et les armes corrosives. Donc ils mettent ça, mais en gros c'est vous augmentez les dégâts des balles spéciales, quoi. Enfin les dégâts des armes spéciales, les effets des armes spéciales. Oui, comme j'ai pas beaucoup joué avec, je peux pas vous dire trop ce que c'est l'hyperphase, compétence d'action. Si j'ai bien compris, en fait, elle devient entre guillemets invisible et elle ralentit un peu le temps, j'ai cru comprendre. Et après, quand elle sort de cette phase, ça permet de faire les dégâts. C'est ce que j'ai compris. Après, comme je vous dis, la sirène, je l'ai quasiment pas joué. On m'a dit que la sirène, c'était un des personnages les plus joués en ligne. Donc bon. Je présume que vous le savez, certainement. Je vais pas trouver mes mots, hallucinant. Alors donc au niveau du choix du personnage, alors Romano a déjà fait le Hulk de Borderlands, il a réussi à le finir d'ailleurs, ça lui a pris du temps mais il a réussi. Et donc lui il a fait le soldat, donc je vais éviter de faire le soldat. On m'a dit que la sirène était souvent faite en ligne, donc je me dis, c'est pas forcément l'intérêt. Brick. J'ai pas particulièrement envie parce que je suis pas forcément super fan de Brick. Même si il serait pratique pour le début parce que ses compétences. Enfin, c'est ce qu'on peut améliorer sur le personnage, c'est sa résistance, donc les points de vie et de bouclier. Donc bon, pour le début, ça pourrait être quand même pas mal, ça permettrait d'avancer un petit peu plus vite. Mais je sais pas, j'ai pas envie de le jouer, parce qu'en plus j'ai fait la dernière partie que j'ai faite, c'était avec lui. Donc bon. Et donc après, bah, il nous reste le chasseur Mordecai, qui est le premier personnage que j'avais fait. Donc je connais bien la classe et tout, mais bon, je risque de pas la jouer comme certains le risquent de le feraient, je pense. Ah oui, aussi, je voulais préciser que la sirène, ils mettent dans les armes favorites, les armes incendiaires, électriques et corrosives. Mais elle peut aussi se spécialiser dans les SMG. Donc tout ce qui est pistolet mitrailleur, quoi. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus, et donc je pense qu'on va prendre le chasseur. Allez, on va prendre le chasseur. Ne t'inquiète pas. Je veux que tu gardes ton calme. Ne dis à personne que tu entends ma voix. Commence à descendre du bus. Tu n'as aucune raison de me faire confiance. Je suis là pour te guider. Pour t'aider à trouver l'arche. Tu dois y croire. Dans un instant, tu vas être accueilli par un étrange petit robot. Fais tout ce qu'il te dira. Tu comprendras ce que je veux dire quand tu le verras. Je te recontacterai très vite. Bon, on est arrivé. Allez, au revoir. Non, à bientôt. Je suis sûr qu'on remettra ça dans pas longtemps. Descends de mon bus.